Chers Adelphes, bonjour. Je vous ai fait une petite mélodie. Cette petite mélodie chantée, c'était une inspiration vaux-saxiovienne d'une des chansons de l'âme enchantée qui va pénétrer aujourd'hui dans le temple de vaux-saxov. Je vais juste allumer mon petit bâtonnet d'encens. Voilà. Et puis je vais appeler cette âme enchantée. L'âme enchantée qui va venir aujourd'hui s'appelle Rosemary, une artiste, une battante. Je l'aime beaucoup. Rosemary, es-tu là? Veux-tu entrer dans le temple de vaux-saxov? Nous t'attendons. Connu sa mélodie. Rosemary. Elle est là. Ça va bien dans le temple. Merci. Oui. Ah, ça fait plaisir de voir votre tête. Même pareil. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Très, très bien. Ah, ok, super. Parfait. Parce que, voilà. Je vais me mettre comme ça, je suis un peu de biais, je m'excuse, mais c'est à cause du kit oreillette. Est-ce que je peux voir ta boucle d'oreille? Ouais. Oh non, mais c'est un signe, regardez. Ah, c'est énorme, j'adore. Ah, j'adore. Ça continue avec les signes. Ah, ouais, c'est clair. Je suis contente de te voir. Bah ouais, c'est pareil. Alors, il y a des gens qui te connaissent, qui sont là aujourd'hui, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter avant qu'on commence à parler? Oui, absolument. Allez-y, allez-y, madame. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rosemary, je suis musicienne, donc chanteuse et pianiste. Je suis aussi autrice, compositrice. Et puis, voilà, donc la musique fait partie intégrale de ma vie. C'est mon travail. Comment me présenter? Je fais de la pop, musicalement parlant. Et à côté de ça, j'anime des ateliers. Je joue aussi dans d'autres projets en tant que musicienne, en tant que pianiste. Voilà. Mes semaines sont bien chargées, bien remplies d'amour et de musique et de partage. C'est vrai, et même tu fais tellement de choses. Des fois, je me demande comment tu fais pour tenir. C'est pour ça que j'aime bien dire de toi que tu es une battante. En plus, tu le fais toujours sans stress. Tu organises des soirées aussi et tu fais partie aussi du noyau dur du collectif Musician & Co, dont vaux-saxov fait aussi partie. Absolument. Et, tu organises les soirées gang de femmes. Oui, et c'est vrai. Mais oui, mais pour vaux-saxov, c'est assez important parce que c'était la première cérémonie de vaux-saxov a eu lieu durant une soirée gang de femmes. Ah ouais, je me souviens. Tu nous as donné la voix ce jour-là et c'était forcément pour moi, c'était très fort et on l'a fait en toute bienveillance dans un lieu assez petit et c'était vraiment super. Ouais, puis j'étais ravie que vaux-saxov fasse partie de la première soirée gang de femmes. Et j'aime à chaque fois, à chaque soirée, intégrer un projet en fait bébé qui vient juste d'arriver, qui est là quoi. Et ouais, je trouve ça hyper important. Et puis j'aime ça en fait. Voilà, c'est mon kiff personnel. Voilà, je profite en même temps de mettre des artistes que j'aime. Et puis en plus, quand c'est tout neuf, ben, l'émotion elle est encore plus grande. Ouais, surtout qu'à cette soirée, il y avait aussi le premier concert de Sand. Oui, absolument. Ouais, carrément. Par Céline Poigli. Donc, c'était vraiment une belle soirée. Puis ensuite, tu as joué. C'était très, très fort. Il y avait tout le collectif Musician & Co qui était là. Et c'était très fort. Ouais, alors, puis le lieu et tout. Et le lieu était beau aussi. Enfin, j'aimais bien le lieu. Enfin, tout était très vraiment magnifique. Mais pardon, excuse-moi, t'allais me poser une question, excuse-moi. Juste savoir comment tu te sentais à ce J+1 du décloîtrement. Est-ce que ça te libère un petit peu
d'avoir pu sortir, comment le sens-tu, quoi? Est-ce que ça change quelque chose, entre dimanche et lundi? Est-ce que tu as senti en toi un changement? Alors, pour l'instant, malheureusement, non. Je suis même un peu triste d'ailleurs. Oui, on avait l'impression qu'il allait se passer comme un feu d'artifice, genre Ouais. wouhou! Et en fait, Et en rien ne fait, pas change. du tout. Non, rien du tout. En fait, c'est vrai que depuis mercredi dernier, je suis un peu dans tous les sens parce que bah, je suis en train de réorganiser un peu le mois de mai, tout ça. Je me dis, ah là là, on va sortir, ça y est, il faut que je réorganise les choses, c'est trop bien. Et puis jeudi, je me suis réveillée, mais genre au taquet et tout, hyper contente. Je me dis, wouhou, c'est la fête. Puis je me suis dit, vas-y, on accepte, beaucoup de bonheur, c'est bien, tout va bien. Et en fait, hier, je suis sortie. J'ai retrouvé une amie donc dans le bois de Vincennes. Bon, on s'est pas embrassé, on s'est pas touché ni quoi que ce soit. Alors moi, au début, je suis sortie avec le masque. En fait, je me suis rendu compte que personne n'avait le masque. Enfin, Ah oui. très très peu de monde. Franchement, bon, on va dire, ouais, si quand même. 80% avaient le masque. 20% non. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je l'enlève. Enfin non, je l'ai enlevé, arrivé dans le bois. Et en fait, c'était trop bizarre parce que bah après, avec cette amie-là, on est presque tous les jours au téléphone, soit sur Facebook ou on s'appelle. Donc, en fait, on entendait la voix constamment. Et de la voir, bah, en fait, on s'est regardé. Puis, on fait, bon, bah, on ne peut pas se toucher. Donc, on ne s'est pas touché. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'avais trop mal aux yeux à cause du pollen. Donc, Génial. en fait, je dis, bon, super. Non, puis, bah, en fait, ça a repris depuis mercredi dernier. Par exemple, il y a de plus en plus de voitures en bas de chez moi. Les gens sont quand même dehors. Enfin, ça a pas. Les gens n'ont pas vraiment changé, quoi. Donc, et puis on verra demain parce que demain c'est ma première journée de reprise de cours. Donc demain on verra. D'accord. Mais c'est pareil, j'en ai pas Donc, beaucoup. c'est des cours de piano, c'est ça? Les cours de piano, ouais. Donc, est-ce que tu vas passer les touches au gel hydroalcoolique ou alors vous allez jouer avec des gants? Ben, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi déjà je touche pas au piano. D'accord. Parce que c'est que les élèves. Et puis moi, j'ai acheté des lingettes, j'ai racheté du gel. Et puis voilà, on le nettoiera. Je vais prendre du sopalin, des papiers. Mais oui, on peut. Effectivement, avec une élève, on s'est dit qu'on allait nettoyer le piano. Et donc voilà. Donc de toute façon, j'ai les lingettes, j'aurai tout. Je leur ai dit que j'allais prendre une petite mallette médicale entre le masque, le gel, les Non mais lingettes. c'est ça parce que quand on est prof et qu'on est dans la pédagogie, forcément on touche des instruments, on touche les élèves et c'est vrai que il y a un rapport à l'instrument qui est très charnel et surtout quand on est dans un esprit de transmission, de ne pas pouvoir se toucher les uns des autres et toucher nos instruments, c'est pas évident. Moi je pense au micro aussi quand on va retourner sur scène s'il y a encore des qu'est-ce qu'on va faire? Chacune se ramener avec notre petit micro. Genre, attention, c'est mon micro, c'est pas le tien. Ne crache pas dessus. Ça Bah, doit être. c'est vrai que moi, à la base, mon micro, je le prête pas. Parce que c'est vrai Déjà. que, ouais, déjà à la base, mais c'est pas méchant, c'est pas contre les gens, c'est juste que, bah, c'est vrai que je crache dedans déjà. Voilà, j'utilise souvent. Et puis, non, 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 j'aime pas trop parce que, oui, parce que bah, c'est à moi. C'est vrai que j'ai pas forcément vu quelqu'un crache dedans. C'est pas méchant, mais moi, je sais que j'ai une copine, à chaque fois, elle en prend un deuxième. Comme ça, si quelqu'un veut chanter, bah du coup, elle a un micro de rechange. Après, les boules, elles peuvent s'enlever, se Oui, c'est nettoyer. ça, ouais. Moi, j'ai plein de copines qui font ça, elles enlèvent les boules, elles nettoient, ou alors elles ramènent leurs boules. Il y a vraiment plein de façons de faire. Je crois qu'on pourrait lancer un nouveau objet au merch. C'est une boule de micro à l'effigie du groupe ou de Ah ouais, l'artiste. ce serait marrant ça. Tu peux en Une faire boule des avec des colos. paillettes. Oui, c'est ça, oui. C'est Ah, les carrément. masques des micros. Et donc, ce qui est marrant, c'est que toi, tu as été au Bois de Vincennes hier. C'est-à-dire, tu t'es dit, premier jour de déconfinement, je vais dans les bois voir mon ami. Oui, parce qu'en fait, j'avais déjà un peu créé un petit programme pour cette semaine, pour en fait essayer de sortir un petit peu, mais pas Petit à trop, petit. parce que je sentais que j'avais un peu peur qu'émotionnellement ce soit un peu trop fort, parce que j'ai quand même confiné toute seule pendant 2 mois, donc j'ai vu personne, j'ai touché personne. Et du coup, oui, c'était important pour moi de la revoir elle aussi parce que bah, c'est une amie que j'ai depuis des années, des années, des années. Et donc, voilà, c'était aussi me remettre un petit peu dans le bain tranquillement.
et que ce soit pas non plus plein de gens d'un coup et que ce soit pas l'excitation totale. Enfin, je voulais quelque chose un peu plus posé. Donc, puis oui, bah le bois de Vincennes, ouais, c'est sympa. Il y a côté un peu nature, un peu grand air, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est Mais bien. et toi, Oui, alors si du on a... coup, tu Ben non, avais on a été compté? en forêt avec Docteur Lapsus. On avait prévu ça. Déjà, il fallait conduire un petit peu. Donc, on a conduit. Déjà, moi, la conduite, c'était fou. Ouais. Et en plus, la route avait changé. Ils ont construit une autoroute. Donc, je me suis perdue parce que je voulais pas mettre le GPS. Oui, en plus, c'était une forêt dans laquelle j'allais beaucoup il y a quelques années. J'y étais pas allée depuis longtemps. Il y a une pierre néolithique et j'adore tout ce qui vient de la préhistoire et ça nous a fait énormément de bien. On a fait 3 km, on ne sentait plus nos jambes. Ouais. Et il y avait beaucoup de vent, donc on écoutait le vent dans les feuilles et on s'est pas perdu aussi dans les petits chemins. On a gardé la grande route parce que j'avais lu des articles comme quoi les animaux, ils avaient repris la Oui, vie. c'est Et donc vrai. il fallait pas leur faire peur, il fallait faire attention, il fallait parler doucement. Et il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était... tellement agréable d'être parmi les arbres et de sentir bah, qu'ils étaient toujours là et que... Ah oui, et d'ailleurs, on s'est intéressé hier avec Docteur Lapsus à la musique préhistorique. C'est vrai? Ouais, et en fait, ils essayent de faire des reconstructions de musique préhistorique et c'est assez étonnant d'entendre ça sur YouTube. Dès qu'on est parti, on a écouté ça. Mais du coup, Alors, la musique oui. préhistorique, elle vient de quoi en fait? Ce serait donc avec du rythme en fait au début, j'imagine, Alors, et pas de la mélodie. eux, ils parlaient de pierres, en fait. De pierre, ouais. Apparemment, ouais, comme au début, c'était des nomades, en fait, ils tapaient sur les pierres et puis après, ils se sont dit, mais attends, on peut les transporter, ces pierres. Donc, ils ont transporté ces pierres et puis ça, c'est des lithophones, en fait. Après, j'avais vu aussi qu'ils faisaient des flûtes avec des os. Enfin, je sais pas Ouais. trop, mais c'est vraiment intéressant de savoir quelles étaient... la musique de l'époque. Je sais qu'il y a de la musique de la Grèce antique qu'ils ont réussi à refaire. Ouais. Pour la musique préhistorique, il y a encore plus longtemps, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Ah bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Créer un Et alors, sample. Oui, pardon. ouais. Non, 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 mais vas-y, je t'en prie. Non, non, je suis là. J'essaie de remettre plus droit. Oui, là, moi aussi, là, je suis un peu coupée comme ça, mais bon, je vais me pencher. À chaque fois, ça change. Oh, il y a mon amie Karine qui me fait un bisou. Bisous. Ouais, je vois ça. Bonjour Oh Karine. là, c'est une amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, peut-être 6 ans. C'est une grande Ah, histoire avec j'adore. Karine. Ah, Ouais, j'adore ça. et on se retrouve souvent de par ma cousine Natalia, que je salue. Alors, quand on s'est appelé au téléphone, tu m'as fait Oui. une révélation, je ne savais pas ça de toi, que tu t'occupais d'un cheval. Et j'ai trouvé ça excellent. Il ne faut surtout pas me lancer sur les chevaux. J'ai trouvé ça super, parce que bah, déjà, qui n'aime pas les animaux sur cette planète? Et là, vraiment, les chevaux, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal. Et est-ce que tu peux nous parler de ce cheval et tout ce qu'il t'apporte? Oui, bien sûr. Bah oui, le cheval que je vais retrouver vendredi. Donc, bah, je ne te cache pas que samedi, quand j'ai reçu les nouvelles règles de sécurité sanitaire sur le groupe Facebook, en fait, j'ai pleuré. Quand Oh, j'ai su que, chou. voilà, on pouvait y aller, ouais. Oui, en fait, il s'appelle Cheyenne. Pour moi, Cheyenne. c'est mon cheval d'Indien. Il est beige, il est magnifique. Pas forcément, hein, je l'aime forcément. Il y a que lui qui existe au monde. Attendez, je suis désolée parce qu'en fait, dans ma rue, je ne sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. En fait, il y a un camion et il y a de la musique sur le camion et tout le monde est en train de faire la fête à l'extérieur. Moi, nous, on n'entend rien ici. Hein. Voilà, je crois que c'est de la musique orientale. Les gens sont au taquet là. Ah ben c'est la fête, hein, c'est... Ouais, Et donc ouais, Cheyenne, tu vas le retrouver donc ouais. Oui, vendredi, c'est ça? vendredi, du coup, je vais le. Bah oui, en fait, ça fait des années. Quand j'étais ado, j'ai commencé à monter à cheval et puis après, j'ai un petit peu arrêté. Puis en fait, j'ai repris, je reprends à chaque fois tous les 2, 3 ans. Et là, il s'avère que ça fait 3 ans maintenant que j'ai rencontré une nana bah, pendant les concerts. J'ai bah, Thomas qui faisait les photos avec moi et tout ça. Il me dit ah, bah, tiens, je te présente Peggy. Elle est coach d'équitation, tout ça, enfin prof.
Et donc moi je lui explique, je lui dis voilà, moi j'ai eu, parce que en fait j'ai monté pendant des années, et ce qui se passe c'est que le dernier centre équestre où j'étais, dans les box, ils étaient deux chevaux à chaque fois. Il y avait toujours deux chevaux. Et donc bah ils voulaient, donc ils étaient vraiment dans un tout petit endroit, tout ça. Enfin moi ça me stressait parce que bah le matin je devais les retrouver, ils étaient enfermés dans des tout petits box et il fallait que j'en chope un à chaque fois, mais ils voulaient jamais se faire attraper. Enfin tu vois, donc ils mordaient Ils machin. étaient stressés, quoi. Ouais, ils étaient stressés, tout ça. Puis moi, c'est vrai que c'est pas du tout ma conception de faire du cheval. Et du coup, je lui en parle. Elle me dit, bah, écoute, viens dans mon écurie, tu verras. Là, les chevaux, ils sont en extérieur. Et je vais sûrement te trouver un cheval où tu pourras être demi-pensionnaire. Enfin, voilà, tu vas rencontrer. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vu. Il était avec sa propriétaire, je le regarde, je fais, oh, mais il est immense et tout. Oh là là, je sais pas comment, parce que moi je devais monter un plus petit cheval. Et je fais, oh là là, je sais pas comment vous faites et tout, machin. Puis c'était un gros bébé, quoi. Et il s'avère que 2 semaines après, Peggy me dit, bah voilà, c'est Cheyenne, tu vas le monter. Enfin voilà, la propriétaire a accepté et du coup, tu peux y aller quand tu veux et tu peux le monter quand tu veux. Et donc, bah maintenant, c'est devenu une belle histoire parce que bah, j'y vais toutes les semaines et que, bah, j'aime être avec lui parce qu'un cheval, ça ressent énormément les émotions. Il y a un vrai échange, quoi. Quand il te regarde vraiment. C'est pas con, hein. Quand ça fait des bêtises, il sait très bien qu'il fait une bêtise. Enfin, il y a vraiment, et en même temps, ça reste quand même sauvage. Donc, il faut quand même toujours être à l'écoute et en même temps, il faut toujours être dans la prévoyance, quoi. C'est-à-dire que, bah, d'un coup, il peut se mettre à faire ce qu'il veut, quoi, parce que c'est un cheval. Il y a quand même ce côté un peu sauvage, même s'il a été dressé, etc. Il est quand même, s'il a peur d'un truc, il peut faire un écart. Enfin voilà. Et donc c'est Cheyenne et que je et voilà. Et là tout à l'heure, sa propriétaire m'a envoyé des photos. Elle m'a dit que ça y est, il était tout content de l'avoir retrouvé. Et j'ai vraiment hâte vendredi d'y aller, quoi. Et je peux rester des heures avec lui, à le toucher, à le sentir. Et non, il est. C'est très fort. En tout cas, voilà, moi je sais que j'ai une connexion avec le cheval qui est assez fort. Et maintenant, j'ai plus peur du tout des chevaux et je veux être toujours avec eux et je rêve d'avoir mon ranch avec plein de chevaux. Et tu en parles dans tes... Alors, juste, il y a Gaëlle Lebras qui nous dit bonjour, merci pour ces lives vraiment sympas. Alors, je ne sais Ah, pas si bonjour tu... Gaëlle. Ah, Oui, d'accord, ok, on s'était voilà. croisés en fait. Enfin, il est venu sur les lives aussi, puis il connaît bien ses francœurs et tout, donc sympa. D'accord, ok. Eh bien, bonjour Gaëlle, bienvenue dans le temple de Vauxhaxov qui accueille aujourd'hui Rosie-Marie, qui nous parlait de sa passion pour les chevaux et qui nous parlait justement de Cheyenne. Et tu en parles des fois des chevaux dans tes chansons? Oui, bah oui, beaucoup, beaucoup, même beaucoup trop, parce que dernièrement j'en avais fait une et puis la personne avec qui je travaille me dit les chevaux, on en a un petit peu ras-le-bol. Bah ouais, parce qu'animal sauvage, ouh là là, ouh là là, vous tombez, vous êtes tombé, voyez, hop, voilà, c'est l'effet. C'est les joies du direct. Ouais, bah oui, parce qu'en fait. Si je me mets de travers, ça va pas être possible. Non, mais je vais tenir comme ça. Et oui, ben, cheval sauvage, animal sauvage, c'est ça, c'est encore le cheval. Où est-ce que j'ai mis Oui, mais même dans Métamorphose, hein, il y a un animal sauvage aussi. Enfin, à chaque fois, le cheval est très présent, hein, de toute C'est ton façon. animal totem. Ouais, je pense que c'est vraiment le cheval. Ça se trouve, dans une autre vie, t'étais un cheval, qui sait, Ah, un jour. ça m'étonnerait pas, hein, parce qu'il y a ce côté très sauvage et en même temps qui peut quand même être, on va dire, qui peut quand même vivre en communauté, mais il y a un truc entre, bon, le dressage, je suis pas sûre encore, je suis pas sûre si j'aurais aimé être Je dressée. pense que tu es plutôt du genre indomptable. Bienveillante, très sensible, mais indomptable. Ouais, peut-être un peu, ouais. Mais toi, du coup, t'as un totem? T'as un animal fétiche? Je ne sais pas encore. C'est vrai que les chats, peut-être, ou alors Ouais. les chouettes. Ouais, c'est beau. Ou alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un animal, mais c'est vrai que l'huître, ça revient beaucoup dans ma légende. Je tombe sur des huîtres C'est à vrai? des moments. Ah oui, c'est assez étonnant. L'huître, ça me poursuit tout le temps, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment un animal. Enfin, si, c'est un être vivant, mais il ne ressent pas la douleur. Et d'ailleurs, Oui. moi qui suis végétarienne, c'est la seule chose que je m'autorise. Ah, c'est vrai? Ouais, à le chouka. C'est quoi le chouka? C'est un petit oiseau qui ressemble à un corbeau, non? C'est ça, docteur Lapsus? C'est un. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit Gaël.
Le lien avec Bien. le cheval est tellement particulier et magique. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux m'a énormément marqué. Oui. Ah bah oui. Ouais. Moi aussi. Ah bah oui, j'imagine. C'est vrai, Ah bah oui. il y a beaucoup d'enfants, bah, ma petite cousine d'ailleurs, Nina, qui est passionnée par les chevaux, c'est vraiment quelque chose qui attire les enfants. Et oui, il doit y avoir une symbolique dans les chevaux assez particulière. Ça doit représenter la liberté et à la fois la connexion avec la nature. Alors oui, le chouka, c'est un Corbeau corbeau exotique. exotique. Oh, moi, je veux bien être un chouka. Ça me va bien. Ah ouais. Ah carrément. Alors donc voilà, c'était pour partir des chevaux. Et ah oui, Oui. donc par la suite. Tu vois ce qu'on lit, puis on est là. Ah oui, Oui, on carrément, est d'accord. Alors, je suis carrément Dr. d'accord. Lapsus nous parle de Horses de Patti Smith. Et Ah c'est vrai que ouais, c'est une super carrément. chanson. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons sur les chevaux. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous. Ben oui, Qui parce que en nous. fait, le cheval exprime vraiment, vraiment le côté liberté, le côté le fait de galoper, puis tout de suite on est en pleine nature, on est obligé Oui, c'est en vrai. fait d'être soit en forêt ou sur la plage, et en fait et puis c'est une connexion en fait qu'on a avec l'animal, parce que finalement à part si après on peut monter des chameaux, on peut monter enfin des dromadaires, on peut monter des mulets, et Des encore ânes. oui des ânes, mais bon. Mais c'est vrai que le cheval c'est quelque chose. Voilà, on est en connexion avec lui. Enfin, il y a nos jambes qui l'entourent. Enfin, il se passe quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'on peut aller très vite. On peut aller très vite. Enfin, c'est quelque chose. Puis, d'être dans la nature, il y a ce côté un peu aussi solitaire. Enfin, ouais, je pense que ça va avec plusieurs natures. Donc, ouais. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui aime ça, hein. Moi, je sais qu'autour de moi, ça fait chier un peu tout le monde que je parle Bah du moi, j'ai cheval. été traumatisée enfant par les chevaux. Ah oui, c'est vrai. Mais j'adore ça. Hein, mais Docteur Lapsus nous dit que ça fait mal aux fesses le dromadaire. D'accord. Aujourd'hui, c'est une discussion profonde placée sous le signe de l'humour. Ça, c'est Rosie Marie. Merci, Rosie. Ça change un petit peu de la lourdeur des Vox-Axum. Chevaux, dromadaires, des Bah corbeaux voilà, exotiques. des Donc, moi... Absolument. Moi, choucas. tout de suite, en plus, le corbeau exotique, je l'ai vu genre noir avec une mèche de couleur, tu vois. Je me suis dit. Alors, c'est un tout petit. Oui, non, mais je vois c'est lequel. Il est assez mignon, ce chouka. Ben, je te montrerai une petite photo d'un petit chouka. Alors, je regarde mes petites notes. Vas-y. Ah oui, Oui, hein, parce alors. qu'il faut pas trop parler, hein, parce que tu sais qu'on peut encore parler pendant des heures. Oui, bah ça, oui, ça c'est sûr. Hein. Nous, alors oui, alors j'essayais à chaque fois que j'invite une âme enchantée dans le temple de Vauxhall, j'essaye de me rappeler la manière dont on s'est rencontrés, Oui. en sachant que des fois j'invite des gens que je connais très peu, mais nous on commence quand même à bien se connaître. Je n'arrivais pas à saisir la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais une impression diffuse que petit à petit on s'est rapprochés et qu'on va dire le point de commencement pour moi ça a été cette soirée Kate Bush en fait. Même si on se connaissait avant avec Musician & Co, Ah j'ai oui. l'impression qu'il y a eu vraiment une rencontre entre toi et moi au moment où on a fait cette soirée organisée par Daniel Zanzara et Ouais, Gilbert la salle Rogier. voilà de la salle à Montreuil dont j'ai toujours des problèmes avec le nom. L'Ogib. L'Ogib qui a Ouais. malheureusement fermé. Ouais. Et ils avaient organisé une soirée tribute à Kate Bush. Et puis on s'est retrouvés avec toutes les copines ensemble. Vraiment. Ouais. Il y avait Franck Coeur, il y avait Karen Lano, il y avait Charlotte Savary, il y avait Katel, Angel Osinski, Dan Dana, il y avait qui? Il y avait Fred. Il y avait Enfin. Charlotte Ouais, Charlotte Savary. Et puis Savary. il devait y avoir aussi Élise, la bassiste, qui fait la Ouais. musique. Mais elle s'était Oui. cassé le bras. Ouais, je me rappelle Alors, la j'espère que j'ai pauvre. oublié personne, mais c'était une très, très belle soirée. Et je pense qu'il y a eu une espèce de connexion ce jour-là entre toutes ces artistes comme ça. Je pense que ça a marqué un petit point. Un petit point, ouais, je sais pas, c'était beau. Puis après, il y a eu la soirée à la boulange, c'était fort. Et Ouais, depuis, ouais. maintenant, nous sommes inséparables.
Ah oh bah oui, avec grande joie. Oui. Mais ouais, c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une réunion musicienne co. Et effectivement, et après les premières fois, bah, ça a été aussi avec les répétitions qu'on avait fait pour Quatre Ouais. Bouches et tout. Mais c'était pas si loin après, hein. Oh, putain, le temps, il passe Il tellement passe vite. très vite et c'était en 2018. Moi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Chère Rosie-Marie, chère âme enchantée. Moi, c'est comme si. Alors, je pense aussi que ça fait partie de ton caractère d'avoir cette générosité, cette facilité avec les gens. Je ne sais pas. Voilà, et j'apprécie ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, au sein Merci. du collectif Musicienne & Co, nous avons une amie en commun dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Alors, j'ai prévu, on lui enverra, j'ai prévu un petit feu de Bengale. Ah, Donc, trop bien, c'est Mathilde. j'adore. Mais oui, donc c'est Muriel, aussi connue sous le nom de Mathilde Mathilde Empereur. l'Empereur. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. On y va, on la chante. Oui. 3, 4. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mumu, Mathilde l'Empereur. Joyeux anniversaire. Alors, je ne sais pas si on était vraiment en J'ai rythme avec le essayé de te décalage. suivre, il y a eu un Et décalage, ouais. moi, j'ai essayé de te suivre. Donc, Ah ben je pense c'était qu'on sera bon alors. oui, c'est un petit peu flottant comme ça. Donc, un très joyeux anniversaire, Muriel. Ouais. Bah, écoute, j'ai envie de dire que cette discussion profonde est aussi placée sous le signe de la joie parce que j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à dormir. J'ai les Voxaxov, les pensées qui fusent. J'ai très peu dormi cette nuit. C'est vrai. Ah oui, et vous revoir, chère Rosie-Marie, ça m'a fait énormément du bien. Là, je me sens revivre. Je sens que je vais péter la forme après cette discussion profonde. Et d'ailleurs, quand on a parlé au téléphone avant de préparer cette discussion profonde, je t'avais demandé, dis, tu aurais peut-être pas une morale ou enfin un conseil à donner aux gens, mais si tu pouvais un petit peu parler de ton expérience vis-à-vis de ces 2 mois où on était un peu reclus chez soi, tu m'as dit des choses très intéressantes. Est-ce que tu te souviens? Alors, c'est là où je te dis, j'espère que tu prends des notes. J'en ai prise. Parce que, en fait, je crois que je dis tellement de trucs qu'il y a des moments où ça. Ouais. On avait Oh, bah, parlé Mathilde Empereur vient de se connecter. Tu as raté, Mathilde Empereur, tu as raté le feu de Bengale en ton honneur. Nous avons souhaité joyeux anniversaire à ton humble personne. coucou. Donc, il faudra que tu revoies le replay, chère Mathilde Empereur. On a ouvert un petit feu de Bengale pour toi. Et donc, oui, alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, oui, tu m'as parlé du fait que maintenant que ce confinement est fini, et tu en es 1000 fois désolée, mais c'est pas grave, Mathilde Empereur, c'est pas grave. tu m'as parlé du fait que bah, maintenant qu'on l'espère, c'est terminé, il serait bon de se replonger un petit peu à l'intérieur de nous pour un peu savoir ce qui s'était passé en nous ces 2 derniers mois, comme si on replongeait en fait, essayer de... À vous les micros. Oui, mais c'est vrai que on a quand même vécu 2 mois enfermés. C'est-à-dire qu'on nous l'a imposé en En plus. plus, On nous a imposé et en plus avec cette idée quand même au fond de mort. C'est-à-dire qu'on te dit enferme-toi chez toi parce que si tu es touché, il y en a qui en meurent. Enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc effectivement, on a essayé, nous, chacun chez nous, en tout cas. Voilà, moi je sais que dans mon entourage, ça s'est quand même plutôt bien passé. On a essayé, voilà, de trouver des choses pour faire en sorte que bah, les journées se passent bien. Mais oui, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur, bah, sur ces sentiments, sur cette émotion en fait de
d'enfermement pendant 2 mois. Alors, je pense que pas pour l'instant. Je pense que pour l'instant, il y a le Oui, c'est un peu trop frais. déconfinement. Je sais pas, Voilà, ça se trouve, on va devoir y retourner, hein. On ne sait pas. alors, bon, ça, voilà, moi, je veux. On Tu veux verra, pas on y verra. penser. On vit au jour le jour. Ouais, T'as voilà, on raison. va voir comment ça va se passer. Après, je pense qu'on aura un petit peu des sensations, peut-être dans 1 mois, de savoir un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, comment est-ce qu'on l'a vraiment vécu, parce que moi, je sais que personnellement, je l'ai très bien vécu, parce que j'ai été hyper bien accueillie, hyper bien entourée, voilà, beaucoup d'amour, de bienveillance, et puis j'ai fait beaucoup de partage, mais même avec les gens, le public, ça a été vraiment, vraiment très fort. Maintenant, peut-être que dans 2 mois, eh ben, je vais vivre peut-être que je vais le revivre à l'intérieur en me posant d'autres questions. Ah, mais au fait, tiens, pendant le confinement, j'avais pensé à ça, mais pourquoi? Enfin, il y a peut-être des questionnements comme ça qui vont revenir, ben, sur le fait de la solitude, le fait de produire tout le temps. Est-ce qu'au fait, produire tout le temps, est-ce que voilà, je suis déjà en train de me poser la question. Et si on reconfine, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que par exemple, je ne ferai pas du tout, du tout la même chose que ce que j'ai fait là pendant C'est les ce que 2 mois. tu m'as dit aussi, c'est ce que Voilà. tu m'as dit. Et je pense que c'est important, en fait, effectivement, de se poser des questions. Donc, comme je dis pas maintenant, mais dans quelques temps, qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, d'être enfermé, ben, soit avec son conjoint, soit avec ses enfants, soit tout seul, soit, voilà, enfermé dans Paris sans voir ben, la nature. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Est-ce que vous voulez que quelque chose change? Enfin, c'est voilà, il y a plusieurs questions. Je trouve que c'est vraiment hyper important de se poser des questions. Je pense, j'imagine, Oui, non j'espère que mais les gens vont se poser des questions. c'est un des credos de Vox Axxon, c'est de plonger dans nos intimes et de confronter nos démons et de se révéler en fait. Donc c'est vrai que malheureusement on a été un peu obligé de se confronter à nos démons pendant ces 2 mois. En plus il y a ceux qui sont tombés malades, donc dont j'en fais partie. Ouais, mais Et bien sûr. oui, et c'est vrai que ça c'est C'est vrai que oui, c'est marrant cette nuit, donc je n'arrivais pas à dormir. Ouais. Et donc je me suis mise à écrire dans mon carnet intime. Et je m'étais rendu compte que je n'avais pas écrit depuis 1 mois, alors qu'au début du confinement, même très malade, j'écrivais, j'écrivais. Et depuis 1 mois, j'avais rien écrit, donc j'étais un peu stupéfaite. Ouais. Et j'étais, ah, mais par où je commence? Et j'ai eu l'impression que pendant 1 mois, alors que c'est qu'un seul mois, hein, il s'était passé un océan, une tempête de choses, mais tellement de choses déjà dans ma vie, alors que j'ai pas bougé d'un pouce, et dans la vie du monde, et enfin, dans ça. Alors, on a des petits commentaires qui sont très touchants. Il y a Gaëlle qui nous dit, heureusement qu'il y avait le Ouais, live j'ai des vu. artistes. C'est Ah, hyper si. gentil. Ouais. Alors, merci beaucoup Gaëlle de le dire parce que c'est vrai que on s'est senti comme les artistes. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Ouais. On s'est senti comme dans l'obligation de créer du lien et un petit peu comme si bon bah il y a le personnel soignant qui s'occupe de nos corps et les artistes s'occupaient de nos cœurs. Je sais pas. Et c'est vrai que c'était pas évident hein, ce rapport à la productivité aussi. Tu en parles, mais c'est vrai que on était là, quoi. On a essayé de faire ce qu'on pouvait et on est toujours là. Alors, il y a Mathilde Empereur aussi qui nous dit quelque chose. J'ai enfin déculpabilisé d'être ce Ce que que je je suis et je crois que ce confinement m'a fait du bien malgré tout. C'est fort. Je pense que, enfin, personnellement aussi, Vox Axxon a eu de grandes révélations et beaucoup de colère aussi, mais et de résilience, mais c'est vrai qu'il y a eu puis beaucoup de Doliprane. Oui, bah oui, bah oui, j'imagine, ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, Vas-y. que ce n'était que 2 mois. Effectivement, si tu réfléchis, 2 mois sur une année, 2 mois sur une vie, c'est rien du tout. C'est rien du Mais tout. on a l'impression que ça fait beaucoup plus. Mais pourquoi? Mais parce que déjà aussi, on a vécu le changement d'heure dans les 2 mois. Il y avait des vacances. Normalement, on aurait dû être en vacances scolaires aussi pendant les 2 mois. Donc même ça, dans l'agenda, en fait, dans la routine des gens, ben, ça bouscule, ça change. On a vécu deux lunes, je crois, complètement différentes.
Rien que déjà tout ça, mis bout à bout, alors qu'on t'oblige à rester enfermé chez toi, bah du coup, ton corps n'est pas, ton corps et ton esprit se comportent pas de la même manière. Puis en plus, il faut connaître les 21 jours. C'est-à-dire que lorsque on a des routines tous les jours, on a une routine. Voilà, pour certains, c'est métro, boulot, dodo, comme on dit. Il y en a qui ont des routines et pas d'autres. Mais bon, il y a quand même des routines. Et en fait, on nous dit que il faut 21 jours pour casser une routine et pour en créer une nouvelle. C'est marrant, on regardait avec Docteur Lapsus hier une conférence d'un monsieur qui parlait de l'intelligence émotionnelle et il parlait justement de ce cycle de 21 jours. Encore une fois, une synchronicité, c'est fou. Je t'en prie, continue, Rosie-Marie. Non, mais c'est tout le temps comme ça en ce moment. Ouais, bah, après, c'est vrai que les 21 jours, je pense que ça doit être lié aussi peut-être à des cycles, comme nous, les femmes, on a nos cycles, Oui, la voilà, lune. parce que nous, en plus, on a eu ça en plus. Donc, t'imagines qu'il y a tout qui, il y a tout qui tourne, tu as des cycles, en fait, qui continuent. Tu as un pseudo-agenda qui avait été quand même mis en route, tu vois, parce que, mine de rien, on avait du boulot quand même en mars, en avril, mai, enfin, tu vois, on avait quand même étalé des dates, on avait des choses. D'un coup, tout s'est cassé, donc tout ton cycle se casse. Et d'un coup, on nous dit de rester enfermé. Donc, on reste enfermé chez nous. Donc, si t'as pas de jardin, bah, tu restes chez toi. Ou alors, tu peux sortir un petit peu 1 heure. Mais bon, c'est quand même en vase clos. C'est quand même dans ton quartier. Donc, il y a vraiment une histoire de cercle. Donc, en fait, c'est tout le temps en train de tourner. Donc, c'est compliqué. Et en plus, nous, en tant que femmes, on a nos cycles. Donc, t'imagines un peu l'état du cerveau, en fait, comment il se met. Plus, effectivement, ouais, ce cycle de 21 jours. Bah, parce que dans la méditation aussi, t'as ça, les 21 jours. Parce que je l'ai fait aussi. J'ai fait les 21 jours avec, Choukra, je sais pas, je l'appelle Choukra, mais c'est pas du tout ça. Bref, le pauvre, pardon, excusez-moi. Bon, je retrouverai, mais voilà. Alors juste, il y a Docteur Lapsus qui nous dit quelque chose d'assez intéressant. Peut-être que ça va te parler par rapport à ces 21 jours et toutes ces méditations, ces 2 mois de voyage dans Dans soi-même. soi-même. Ah, mais c'est ça, mais absolument. Moi, par exemple, d'avoir vraiment confiné toute seule, eh ben, en fait, j'ai ressenti mes émotions beaucoup plus fort, mes cycles beaucoup plus forts aussi. Tout était complètement différent. Et puis, chaque jour, en fait, il fallait aussi que je me dise, bon, ben, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Du coup, j'ai vécu les jours complètement différemment à chaque fois. Et j'ai essayé de pas trop me mettre de planning. Bon, j'avais des rendez-vous obligatoires, donc voilà, j'avais quand même un petit emploi du temps imposé, mine de rien. Mais oui, il fallait que, enfin, du coup, je suis retournée chez moi, quoi, à l'intérieur. Du coup, ça m'a donné la possibilité de réfléchir. En plus, j'avais vécu une séance de tarot avant, une séance énergétique juste avant. Donc, le jour du confinement, en fait, j'étais avec tout ce bagage, Oui, c'est ce ben, que tu me dis, c'est réfléchis super maintenant intéressant. sur ta vie, quoi, enfin, avec tout ce qui s'était passé. Et je pense que ça va se décanter et que j'aurai certaines réponses, mais je pense que juillet-août, quoi. Pas maintenant, quoi, parce que là, c'est encore trop frais, mais je pense que. Donc, voilà. C'est fou, c'est marrant que tu parles de ces choses que tu avais fait juste avant le confinement qui t'ont permis de justement. Passer dans le confinement en te servant de ce que tu avais juste enclenché avant. J'ai eu le même sentiment par rapport à. Alors, pas précisément juste avant, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, bon, je suis assez engagée, je m'intéresse beaucoup au féminisme, enfin, bon, toi-même, tu le sais, la justice sociale, etc. Au point de vue politique et de justice sociale, forcément, le confinement a révélé et beaucoup de soucis. Moi-même, des traumatismes passés sont revenus. Et en fait, toute cette lecture que j'avais eue avant m'a aidée justement à me dire, ah bah tu vois, s'il se passe ça en toi, c'est parce que tu te souviens, tu as appris ça. C'est-à-dire que j'ai puisé dans les ressources que je m'étais construite avant, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire, bah, quand on est un peu mise au bord du précipice, on se sert de ce qu'on a emmagasiné avant, et c'est nos ressources, quoi. Alors, il y a Gaël qui dit quelque chose de très, très beau. Pour lui, c'était une très belle période, introspection, la découverte de vos univers, les merveilleuses séances de méditation de Bernard Weber avec Francoeur. Oui. Mais Ah, c'est Francoeur, hein. c'est vrai que si effectivement
On a la possibilité de se retrouver avec soi-même. C'est vraiment très bénéfique. Par exemple, oui, pendant 2 mois, bah, je sais pas, relire tes livres préférés, te reposer des questions sur ton enfance, peut-être aussi bah, définir ou décider qu'est-ce que tu veux faire après. Ça, c'est voilà, c'est si tu es dans une situation un petit peu, voilà, un petit peu. Ou t'es un petit peu perplexe, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Enfin, du coup, c'est intéressant. C'est comme si on ressortait tout et puis on réessaye de recaler un puzzle, en Ouais, on fait. essaie de re-ranger, quoi, Voilà. de... Mais après, attention, on arrive à dire ça aussi parce que on avait le temps aussi de créer, de se poser des questions. Je Oui, on pense travaille. aussi à tous ceux qui étaient en télétravail et qui, eux, n'ont pas pu du tout, du tout, du tout voir quoi que ce soit, en fait, parce qu'ils sont restés enfermés à continuer à travailler, et puis avec leur famille, peut-être avec les enfants. Enfin, je pense que pour tout le monde, en fait, ça a dû être quand même un choc, et que eux, en plus, bah, j'espère qu'ils vont trouver un moyen Mais toi, tu ne de... dis pas que tu as fait du télétravail d'un certain côté. Si, bien évidemment, bien Moi, sûr, j'ai avec... commencé à le dire à un moment. Je me suis dit, attends, je suis artiste, je fais du télétravail en fait. Si, mais C'est-à-dire bien que. évidemment. Oui, mais on a un travail. Moi, j'ai un travail qui me permet d'être tout le temps en connexion avec l'autre. Donc, j'arrive à ressentir. Oui, On je continue de comprends, tout à fait. parler. Et il n'y a pas ce truc d'être enfermé dans une pièce ou d'essayer de trouver un petit endroit pour se mettre avec son ordinateur et tout. Et puis, de faire, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de refaire chez moi. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler chez moi. Donc, voilà, il y a C'est aussi vrai, ça. moi c'est pareil. Voilà, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été très dérangeantes, dans le sens où bah, j'ai l'habitude de composer chez moi, d'écrire chez moi. Enfin, voilà, les sorties, c'est lorsque je fais les concerts, quand on se voit, quand, voilà, les cours ou le cheval. Le cheval. Mais sinon, en règle générale, je suis quand même chez moi. Oui, Donc, bah c'est pareil pour moi. C'est vrai que c'est. Alors, il y a Gaël, encore une fois, j'aime beaucoup Gaël, il participe beaucoup, c'est très agréable. Ah, super ce discours dans lequel je me retrouve étant militant à Amnesty International et dans le collectif Nous Toutes. Oui, c'est vrai que le militantisme, moi, m'a aidé à. Enfin, m'a aidé à aussi passer le confinement. Ça m'a donné des clés, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. Et par rapport à toutes ces choses qu'on a vécues, il y a aussi l'arrivée du printemps. C'était qu'on a vécu d'une manière assez étrange avec les oiseaux qui reviennent. Et on s'est fait la réflexion avec Docteur Lapsus, donc, qui est mon compagnon, donc mon compagnon de cloîtrement, qu'au début du confinement, il faisait très très froid. Très très froid. On avait très froid et même moi j'avais une panne de chauffage donc c'était je suis tombée malade donc Non, mais c'est vrai, c'était c'est un peu vrai. il faisait J'avais très encore froid le on a vécu chauffage, ouais. ouais on a un printemps nouveau cycle aussi en effet en Oui, effet mais qui est encore en train de changer parce que regarde, depuis le déconfinement, c'est-à-dire hier, vent, pluie et froid. Là, il fait super froid dehors. Oui, mais alors c'est marrant, justement, les gens parlent encore plus du temps qu'avant, justement, parce qu'on peut-être avant, on faisait comme si rien nous affectait, hormis les grosses catastrophes, on va dire, ou des petites pluies. Mais là, c'est vrai qu'on a attendu ce jour comme un jour de libération. Et là, eh ben non, Ouais, il du pleut. coup ça m'a C'était fait un rire un peu. peu. Alors, ah, ok, les saintes glaces, ça s'appelle le Oui, c'est froid au début ça. du printemps, Ouais, que en j'appelle toujours effet. les sunglasses. Donc merci, hein, merci donc les sunglasses parce que oui, non mais moi j'appelle ça les sunglasses depuis des années, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs. Hier, donc j'avais une amie au téléphone, et je lui dis oui, mais c'est normal qu'il fasse froid parce qu'il y a les sunglasses. Elle me dit les sunglasses, mais c'est quoi? Donc je suis quand même allée chercher sur internet, je me suis retrouvée devant plein de boutiques d'opticiens. Donc merci, donc c'est les sunglasses, merci pour. Non, Tu me fais j'avoue, rire, tu je. me fais rire. J'adore. Et puis je suis quand même allée chercher sur Wikipédia, YouTube et tout. Puis j'étais là, non, mais la fonte des neiges, quand même, les montagnes, la rivière. Et je trouvais. Il y avait toujours des lunettes qui apparaissaient. Oh là là, je te jure, non mais. Ah, très Donc chouette. merci beaucoup. Alors moi, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça parce que là, ça bouge plus en fait dans les. Ah si, ça y est, pardon, pardon, pardon. Ça y C'est est, c'est mon Mathilde Antoine. téléphone. Ah merci. Merci Mathilde. Ma Voilà. chère Rosie, est-ce que tu veux faire une prière à Voxaxov? Oui, bah oui, bah en fait, ma prière,
Finalement, c'est toujours un peu la même chez moi. Je suis absolument pas surprenante. Mais il n'y a pas de problème. On a le droit de faire toujours les mêmes prières. Si c'est attends, si elle te parle, il n'y a vraiment aucun problème. Fais cette même prière. Ouais, ben la prière, ce serait que l'amour et le partage soient les principales, parce que du coup, partage, je vais la mettre au féminin, les principales sources de notre vie, de votre vie. Parce que l'amour, ben en fait, l'amour, ça engendre tout. Que ça peut être la haine, l'amour, la mort, le bon, le mauvais. Donc, j'étais partie sur une prière sur l'amour et le partage. Et parce que du coup, l'amour oblige à ce que l'on ressente l'autre. Donc, obligatoirement, il y a soi et il y a l'autre. Mais l'autre, enfin voilà, non, après, je vais partir encore dans plein de trucs. Mais c'est pour Non, mais ça que alors c'est. j'ai une question, Rosie. Tu Ouais. as déjà assisté à des cérémonies de Voxaxov? N'aurais pas tu Oui. déjà fait cette prière à Voxaxov? Tu sais, pendant les cérémonies, je demande aux gens d'écrire leurs Ouais. prières sur des petites tablettes. Tu l'aurais pas déjà écrite par hasard pendant Ben, une je sais que lors cérémonie? du concert que tu avais donné donc à la boulange, je t'avais fait passer des messages et donc j'avais écrit. Et c'est peut-être ça. Mais Ben oui, oui, c'était l'amour et le partage. Oh, mais c'est c'est pour ça que je magnifique. suis pas du tout surprenante et que. Mais non, mais c'est pas grave. Si, C'est mais non, mais je trouve ça super beau en fait, parce que je juste. me souviens de. Enfin, forcément, ces prières, je les garde et déjà, je les garde un petit peu avec moi, autour de moi, et puis après, quand j'ai le temps et que je suis dans le mood, je les chante et ensuite je les brûle. Et Oui. cet été, oui, c'était cet été ou l'été dernier? Oui, c'était l'été 2019. J'ai fait une grande séance de brûlage et donc je reprenais toutes ces prières là qui étaient là et il y en avait une à l'amour et le partage, je ne sais plus exactement ce que c'était, donc je m'en souviens de presque toutes en fait. Et là D'accord. tu m'en parles et ça revient. Ouais. D'accord. Ben oui, c'est vrai que c'est important parce que l'un comme l'autre oblige en fait à se poser des questions sur soi et à se poser des questions sur l'autre. En fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire. L'amour, t'es obligé. T'es obligé. Tu peux pas. On peut pas vivre sans. Non. Et le partage, ben, t'es obligé aussi parce que c'est comme la liberté. C'est du moment que, comme on dit toujours, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, quoi. C'est obligatoire en fait. Donc l'autre est constamment là en fait, constamment. Et c'est ce qui nous fait aussi évoluer, progresser, avancer. Donc Et voilà. en plus, enfin, pour moi, il n'y a pas de partage sans amour, il n'y a pas d'amour sans partage. C'est ça. Et comme l'amour rejoint la haine et l'amour, parce que bah du coup tu ressens l'amour si tu connais aussi la haine bah tu connais si tu as l'amour. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir quoi. C'est et puis enfin que il y a tout et son contraire et tout est force quoi dans l'amour et le partage. Donc. Et d'ailleurs, tout ce dont tu me parles, je trouve vraiment que ça se transmet dans tes chansons, en fait. Moi, j'adore tes chansons. Alors déjà, je vais faire ma petite fan, mon instant fan. J'arrête pas de dire à chaque fois Mais que non. pour moi, tu es la digne héritière de Dientel, qui est une Ah oui, chanteuse c'est vrai. que j'adore, que je trouve belle. Il y a des chansons à elle vraiment que j'adore. Et quand je t'entends chanter tes chansons, il y a cette exploration des sentiments qui sont dits avec des mots, mais simple, mais très très bien écrit. Hein. C'est vraiment très très bien écrit tes textes. Et puis musicalement, enfin, pour moi, c'est des sans faute à chaque fois. Les harmonies, comment tu arranges aussi au piano, tout ça. Les mélodies qui restent dans la tête. Et c'est vrai que tu explores justement beaucoup l'amour, le partage, la colère, l'attente, la haine. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ta prière sur D'accord. ma petite tablette, et après, est-ce que tu voudras bien nous interpréter un morceau? Oui, absolument, Oui, absolument. génial. Alors, donc, tu m'as dit que Ben, que l'amour et l'amour et le le partage. partage soient les principales. Alors, j'aime bien mettre les principales, alors que normalement, je ne pense pas qu'on devrait mettre les principales. Mais on va rester dans le féminin, hein. Bah, allons-y, allez. Voilà, les Que principales l'amour. sources de votre vie, de notre vie. Le partage. Alors moi j'en suis encore à partage, hein, j'arrive. Parce qu'en fait j'écris à l'envers. Soit les principales sources, si on peut dire, ouais, soit les Oui, principales bah oui. sources de notre vie. Tu Allez, vois. on s'inclut tous dedans. Oui. Par contre, attends, Alors c'est je vais marrant. du. Oui, vas-y.
Non, non, vas-y, vas-y, je vais en profiter du coup. J'aime bien faire ça en fait avec le portable. Je trouve que les direct live, c'est trop bien parce que du coup, on peut se balader, tu vois, dans l'appartement, tout ça. Par contre, je pense que le live, je vais être obligée d'enlever les écouteurs. Ben, c'est pas grave. C'est pas Les grave? sont les principales sources de notre vie. Ouais. Soit les principales sources de notre vie, ouais. J'adore les, enfin, j'aime bien les recevoir quand c'est les gens qui les écrivent, mais j'ai, bon, là, on ne peut pas faire autrement. J'aime bien aussi les écrire et prendre ce temps de les écrire à l'envers. Ah Toi, oui, comme j'ai ça, on peut les vu. voir. Donc, Ouais, j'aime bien. voilà. La Trop voilà. bien. Ah bah Est-ce que d'ailleurs, je... j'arrive pas à lire. Alors attends, j'ai mon petit miroir justement pour réussir à les lire. Que l'amour et le partage soient les principales sources de notre vie. Ouais. Ça fait très grandiloquent. Alors il y a Gaëlle, le bras, qui me Complètement dit. d'accord, il y a énormément d'émotions dans son univers. Ah, c'est trop gentil. C'est pas Merci. pour rien que je l'ai invité cette fois. Alors, j'espère que ça ne va pas couper pendant le live parce que je crois qu'on arrive bientôt à 1 heure de Déjà? discussion. Mais attends, on vient juste de commencer. Ah, mais c'est toujours comme ça, les discussions profondes. Donc, est-ce que si tu me vois faire ça pendant le live. Ah, je vais essayer de faire attention alors, parce que d'accord, Mais ça veut c'est dire. juste comme ça, hein, sinon on t'écoute. Voilà. Alors attends, je veux déjà. Tac. Ah, bah attends, c'est C'est ça, simple, je tu vais vois les regarder lumières. l'heure qu'il est. Ah, mais bien! Tu m'entends? Oui, par contre, il faut Oui, peut-être par que contre, il je. faut peut-être Oui, que. on t'entend, Oui, par on contre, il faut t'entend. juste Par que contre, tu il faut juste baisses que tu baisses. le Quoi? volume de ton Le volume de ton téléphone, téléphone, car on on m'entend. m'entend. Donc, Alors, si je m'ouvre. si je suis comme ça, est-ce que ça va La mieux la pour la la toi? la. On On t'entend. On t'entend. On m'entend m'entend encore encore en en résonance. résonance. Ah. Sinon, je Sinon, je m'appelle. m'appelle. Et comme ça Allô? va mieux? Allô? Allô? Cool. Ça va aller. Ça va aller. Et du coup, on gère le cadrage, t'as vu? Ça, du mat. La chaleur de la nuit, les jeunes insomnies, je t'appelle. Posté dans l'angle saillant, en cyclope incandescent, tu m'attends. Non, ce n'est pas l'infime parfum de nicotine qui me frotte. Si je m'étais promis d'un à plus tard à venir, j'ai menti. Toi qui celle qui nous habille, viennent des éclats de rire, nos soirées à l'infini, tu m'attires. Tout à côté du cœur,
c'est mieux. Pas non, pas la peine d'en faire une rengaine. C'est juste une rumeur éclatant qui tue. C'est vraiment pas ma peine, mon cœur encore plus aime. Toi, il m'aime pour comment je te reviens, je te porte dans ma bouche, moi. Deux sœurs du mât, la fumée vole en volute, ce sont tes dernières minutes, une fois pour toutes. J'adore cette chanson. Ah, merci, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. J'ai l'impression que d'avoir un live pour moi. Oui, on est d'accord. Alors, il y a Mathilde que oui, j'ai lu, merci. Cette chanson, Docteur Lapus aussi. D'ailleurs, j'ai lu l'histoire avec cette chanson par rapport à Docteur Lapus. Mais je crois que tu m'en avais parlé, effectivement, tu m'en avais parlé. Mais c'est vrai que cette chanson, elle a quelque chose, parce que là, pour l'EP, elle va être dedans. Et c'est vrai que je demandais, quand on était en studio, je disais, mais est-ce qu'on va la réenregistrer, tu vois, pour voir. Et ils me disent, bah non, en fait, on ne peut pas y toucher. Parce qu'il s'est passé, quand on a enregistré Le Pont, par exemple, il s'est passé vraiment quelque chose, en fait, dans cette chanson. On ne veut plus la toucher. Elle est comme ça et on veut plus. Ah, Rosie remet le casque. Pardon, d'accord. excusez-moi, docteur Lapsus, excusez-moi, je remets. Non, c'est maître Capello. Oui, mais en même temps, il a raison et merci beaucoup. Merci. Regarde. Alors, ceci dit, il ne nous reste que 50 secondes. Ça 50 va vite. Secondes Mais on va se revoir bientôt et c'est surtout, on va, si tu le veux bien, on va la garder cette vidéo parce que c'est beau, quoi. Il faut que ça reste gravé, ces choses. Ça va peut-être nous aider justement à replonger dans ces deux mois. Oui, absolument. Oui. Je veux bien que tu la gardes, cette vidéo, avec grand plaisir et que tu la partages parce que merci beaucoup de faire ce que tu fais, faire ces vidéos, ces discussions profondes. Ah, et mais ça me nourrit comme toi, oui. J'imagine que ça a dû te nourrir. Oui. Et il y a Docteur Lapsus qui fait hi-hi-hi, mais c'était très beau. Il nous reste 10 secondes, ma chère Rosie. C'est vrai, 10 secondes, on ne peut plus après. Après, ça s'arrête. Merci après.